sur la chaîne de Foxfighters et pour cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie de mes achats du mois de février. Pour commencer, comme je l'ai montré sur ma dernière vidéo, je me suis procuré l'édition collector du dernier jeu SAO, Fatal Bullet. Et là, on va attaquer avec les mangas. Donc, cette fin de mois est sur le signe de l'éditeur Ototo. Donc, je me suis procuré le tome 7 de Bungo Stray Dogs, qui après un tome 6 plutôt moyen, revient très fort avec ce tome 7. Alors si on retrouve Atsushi, Dazai, alors le manga est toujours aussi bien dessiné. Après plusieurs mois d'attente, j'ai réussi à me procurer le tome 13 de Fate Zero. Donc sur ce tome là, on va assister au combat entre Kotomine Kirae, le prêtre, et de Kiritsugu Emiya. Un tome toujours, c'est un manga que j'aime beaucoup, qui est très bien dessiné. Et comme je sais, chez Ototo, on a droit à des illustrations au début de tome en couleur, de très bonne facture. Alors c'est toujours chez Ototo, c'est le tome 3 de Monster Musume. C'est toujours aussi drôle, décalé et qui. Donc avec le nouveau personnage. Hop. Un tome plutôt sympa. Hop, là c'est le dernier tome que j'ai aux éditions de Ototo, c'est Overlord, le tome 5, le tome 6. Voilà, donc là on va assister au combat entre les forces armées de Enzangol et des hommes lézards. Qui est un excellent tome, je trouve. Et pour terminer en ce qui concerne les mangas, donc j'ai continué mes achats de Sky High Survival avec les tomes 3 et 4. Alors j'ai lu déjà les 3 premiers tomes et je trouve ça très bon. Franchement, c'est pas le manga le plus original que je possède. Mais c'est ultra divertissant. Voilà, c'est un survival game très réussi, je trouve. À savoir si le manga sera toujours aussi bon sur la durée. Car il est arrivé au tome 15 au Japon. Mais sur ces 3 premiers tomes, c'est du tout bon. Là, c'est sur le tome 4, voilà, que j'ai pas fini de lire. Je suis arrivé à la moitié du tome. Et là, je vais vous montrer mes derniers achats de ce mois-ci. Donc, j'ai craqué sur des Funko Pop de Fairy Tail. Donc, j'ai pris celle de Griffin Buster, de Erza Scarlett, de Wendy Marvel, qui est toute choupie, et de Lexi de Carla. Et maintenant, je vais vous retrouver avec un plan pour vous montrer un peu plus en détail les figurines de Fairy Tail, enfin les Funko Pop. A tout de suite. Et voilà ce que ça fait, le résultat dans ma Mangatech. Donc celle de Grey. Donc juste derrière, j'ai mis son petit badge de l'édition collector du tome 60. Erza, également, avec son petit badge. Wendy, tac. Et Carla. Bon, là, il n'y a pas de badge Carla, donc j'ai mis celui de Happy. Et voilà ce que ça donne sur ma collection de Fairy Tail. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.